à que Simeon, quand revenu des États-Unis, elle lui a dit, ne peut devenir Gouami que si tu amènes les restes de ton papa, la Gouville, à Abouré. C'est ce qui a été fait. Évidemment, cette pratique est en train de se perdre parce que ça demande beaucoup de moyens pour récupérer. Et puis, les jeunes manquent de formation et d'information. Sinon, ils sauraient que c'est fort possible. Alors, sur cette terre, avant de répondre à cette question, je vais situer un parallèle entre les paroles de deux personnes. Tout à l'heure, vous avez dit, chaque fois qu'il y a quelque chose, on est obligé de dire d'abord Kourou. C'est pour retrouver notre identité et notre force. Vous savez, on nous a montré un film. Le nord-américain qui a fait ce film-là. Où on parlait de Kuntakiti. Oui, c'est Racine. Kunta, chaque fois que son tuteur, son patron, lui donnait un nom et l'obligeait à accepter son nom, il avait toujours à la bouche Kunta Kinti. Et c'est ça qui a fait qu'on a retrouvé les traces de cette famille-là. Donc, pour moi également, dans la masse de ceux qui se sont déplacés, peut-être nos aïeux ont voulu garder ce nom-là pour faire croire, pour faire connaître à ceux qui sont venus dans le coup qu'ils sont comme ça. Et c'est pourquoi toujours, chaque fois qu'on veut montrer que ce sont les habitants du Goma, on parle toujours de l'expression Gomaï, Goma. Là, on prouve notre identité et en même temps, ça nous donne une certaine force pour réagir. Maintenant, votre question, c'est comment. Tout est né à Goma. Comment est né? Et il y a deux versions. Je vais vous donner la première version. La première version simple. Au cours de leur déplacement, ils se sont arrêtés quelque part vers Yaoumboula dans la forêt. Et c'est un chasseur qui venait espionner le coin pour voir si le site est beau, convenable pour eux. Ainsi donc, il a trouvé un endroit, il a bâti son petit campement de chasse. Et au cours d'un de ses déplacements, il est venu avec un trajan de bananier planté. Chaque jour, il voyait grandir son bananier. Et le bananier a donné un régime extraordinaire. Ce régime était tellement gros que quand il a coupé le bananier, il était impossible de soulever le régime de banane. C'est là qu'il a crié, dit, Oguma. Ah, Oguma. Oguma. Ah, Oguma. C'est lourd.
très beau. Au commun. Très beau. Ça, c'est la première version. La deuxième version, comme vous l'avez dit, il y a eu des petits détachements qui sont venus par vagues. Et tous se sont retrouvés ici. Thank you.
Thank you.
Thank you.